Hop, on va regarder le ballon du coup. Élémentaire qui prend la balle. Ok, ça va aller. Je vois un peu tout le monde. Elements. Ok, ça essaye de taper tout le monde. Les caisses, tout ça. Je suis un peu au fond niveau commentaire, faut avouer. Alors, une CS, les CS qui parlent et tout. Il ne reste plus grand monde chez Waterbike. Ils sont tous morts. Les Jacks sont revenus à la vie. Ouh. Allez, on y va. Hop. Je sais pas qui c'est que j'ai énervé là, mais. Element, ok, on y va. Où il fait le tour, pourquoi? Ça va lui coûter le TD. Pourquoi on sait pas voir à travers ce mur-là? Non, mais... Bah non, regarde, lui, il a pas d'assaut, lui. Ok, il tire, il l'a eu. Ça c'est un bon trick ça, la sentry qui parle, la sentry qui est pour moi assez mal classée, assez mal placée quand même. Il y a vraiment des endroits sur cette map quand tu places la sentry, les autres désespèrent. Ok, reset, on va voir qui va venir la prendre. Ok, ils vont encore attaquer. Très bon trick ça, pour très vite arriver en haut. Bah, tranquille en fait. Alors, il tue tout le monde, il tue les caisses. Pourtant ces caisses là sont très très bien. Ok, c'est bien. Pourquoi il a pas continué? C'est un peu bizarre. Vas-y, prends une arme de corps à corps et défonce-les tous, qu'il en a pas. Un petit viol sur le mur là. Ok, ils ont bien défendu. C'est bizarre que cette map n'y ait pas d'enchor, même en peine. Ok, le RC permet de passer, mais pas pour forcément aller bien loin. Comment ils peuvent rater? Ils sont sérieux là. Ils ont réussi à rater ça. Alors ça va essayer de bait. Est-ce qu'ils vont réussir? Ok, il essaye de RC, ça passe pas. Ils utilisent les caisses du coup. Ah, le dash, ok, c'est dedans 2-0. Il est plutôt énervé avec son marteau, Thorax. Hop, je sais pas ce qu'on fout là. C'est ici qu'on veut être. Ok, il a pris la balle. Il va tenter un espèce de side. C'est qu'on appelle quand on va en dessous. Oh là là, le marteau qui. Et la sentry qui. Je sais pas pourquoi ils la mettent là, c'est vraiment. L'enchor, oui, enfin un enchor. Vas-y, ça c'est dedans là, wall push, pouf pouf, CS, même pas. Il y a le marteau qui est là, mais on n'a rien vu, ma faute. Je pensais qu'on allait voir à travers le mur, mais non. Avec le reset. Ok, le push qui est bien mis. Il devrait tirer dessus. Pourquoi il tire pas dessus? Il doit pas avancer comme ça. Surtout qu'il n'y avait personne pour le relais. Il fallait trade. Il veut taper son propre allié. Ça marche pas. Pouf. Alors ils sont 4 contre 4 là, ils doivent se décider. Bon, ils ont arraché la balle. Du coup, il y a un mort des deux côtés. Ou étrange, hein. Ils voulaient jump en short, oui, mais le jump était pas assez loin du mur. Hein. C'était logique, ça allait sortir une arme de mêlée pour essayer de faire quelque chose. Enfin, pour défendre ça en tout cas. Ouais, il a oublié la balle, il est tout déçu. Je pense clairement que ça pouvait être TD ça. Ok, il a réussi à RC. Ouh, ok, il a évité le stun, mais ça fait tuer. Ok, là il peut y aller. Il dash, mais le marteau. Le marteau est là pour rappeler que dans les petits endroits comme ça, une petite jump attack marteau n'existe plus. Ok, donc on a droit à un marteau. Ok, oui, ça push et tout. Ou alors sentry, je sais pas où ils l'ont mis.
suffit de la mettre sur le petit muret au début, ça pourrait être drôle. Ok, la PS vs la CS, c'est la CS qui gagne. Elle est toujours en vie? Ok! La cover qui est plutôt bonne là. Voilà, c'est fini. Le marteau qui a pas. Qui a pris trop de temps à s'activer, du coup. Du coup, il a plus le spam, tout ça, il veut tuer. Alors, boum, on prend la balle. Ça se cache. C'était pas mal cette technique là, ça aurait pu donner un bon truc. Il se cache derrière le mur, il attend qu'un mec arrive, boum, marteau, marteau, le mec est mort. T'as la balle ou pas, jump attack marteau, c'est pas si dur. Alors il tire sur qui là? Il prend beaucoup de temps pour bouger là, rester dans le coin, pourquoi faire? Même lui il savait pas. Ok, lui, Lemon qui arrête pas de glisser partout. Il s'est un peu trop lavé ce matin. Ok, wall push, il va attaquer. Marteau, Thorax qui prend le relais. Il avait encore des SP pour faire ça. Ah, il est passé. Bien joué le brain là, enfin un petit brain qui est passé hein, grâce ou à cause à ça, la PS ça va être fait une jump attack. 0-4, c'est plutôt méchant quoi. Il leur met plutôt une petite dérouillée là. On va regarder un peu les points. Ben, en fait, c'est simple, c'est du simple au double. Hein. C'est simple, vous mettez chaque fois x2 au. Et c'est fini, voilà. Hop, et la caméra qui est au début du round à chaque fois est un peu étrange. J'essaye de m'adapter. Oulala, là là, le stun, donc j'ai dit hein, en peine, tu te fais stun, t'es mort. Ça commence à tirer. Ouh. On va se nerf. Ouh, ça tire. Qu'est-ce que ça fait? On va regarder derrière la maison. Ils ont un problème, Dame, les rouges, hein, clairement. Ça touche pas. Hein. On n'entend jamais les hits toucher. Quoi. Ça touche juste pas. Quoi. Ok, le dash PS qui paye. Ouais. Ils sont à la traîne un peu partout. Hein. Ok. Alors, oui, tire, tire. Non, ça marche pas. Ok, ils voient qu'ils connaissent la map, hein. Je la connais pas aussi bien que ça. C'est une map que je déteste, moi, Temple M. Mais quand je vois tous les tricks qu'ils font, enfin, tous les tricks facilement qu'ils font. Ouh là là, ça a touché là, il y a genre eu 4 munitions en même temps, deux qui tiraient, les deux qui ont touché. Sans doute un critique en plus. Alors, ça touche, oui. Ouh. Le marteau qui essaie de parler, on est un peu trop haut. Okay, il va en bas. Il tempo, alors il y a une technique ici qui fait que. Ok, ils connaissent pas bien la technique. Il y a une technique que si tu lâches la balle en dessous des escaliers et que tu sautes en mourant, la balle reste en haut et comment dire, la balle reste en haut et donc celui qui passe au-dessus des escaliers peut la prendre et c'est plutôt le bon bug qui peut faire totalement brain toute une team. Donc voilà, ça je connais parce que ça c'est utile, hein, connaître tous les jumps ici. Tu fonces tout droit, cette map c'est pareil que si tu connaissais tous les jumps. Comme ça, c'est un bon jump, ça. Je le connaissais, mais. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, quoi. Clairement. Alors, oui, pas mal. Ah, il aurait dû esquive pour rentrer dans la porte, là. Il rentrera pas avec un marteau et il a fumé, là. Ah, il aurait pu le tuer au marteau, il aurait pu continuer le marteau. Mais il s'est dit, est-ce que je dois user mes SP ou est-ce que je peux le taper encore? Il s'est dit, il faut que j'use mes SP, et du coup, il a été stun, il a été déçu. Elle a des bons hits là, clairement. Je pense que la force des deux là, des deux teams, c'est que clairement, moi je suis hors back, c'est l'aim qui compte quoi. Enfin, ça tape vraiment fort quoi. Il y a tellement plus qui touche.
Oh, marteau. Il arrive en haut sur la passerelle, il faut attendre que ses potes arrivent pour faire le ménage là. C'est ce qu'il a fait. Ok, il est rentré plutôt facilement. Oups, il s'est pris un coup de marteau, il doit plus avoir beaucoup de PV là. Mais il va quand même le rentrer, non. Ok, on lui a tiré dessus. Il faut qu'il se dégage. Il va reset. Il a pas réussi à reset. Ah mais l'autre est tombé dans les rayons, dommage. Ça aurait pu le faire ça. L'anchor qui paye. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Un bête anchor. Voilà. Un bête anchor qui passe, même en peine, anchor ici, c'est trop fort. Je comprends pas, c'est vrai qu'il est un peu jamais passé le gars. Je dirais. Alors, oui. Mais ils arrivent pas à prendre la balle, ils la regardent. J'ai l'impression qu'ils jouent en FF. Enfin, qu'ils jouent en AP les gens, ils laissent prendre la balle. Ouf! Alors, oui, ça avance le stun là, bah, stun t'es mort, hein, c'est sûr, t'as plus d'SP pour plus rien faire. Est-ce qu'il va pouvoir jump? Voilà, ça c'est fait. Du coup, là, il a mal jump, il a pas réussi là. Bon, allez, il faut tenter le RC ou le petit jump là. Ok, il sait pas, donc il se barre. Pas de skill. Il aurait dû se mettre plus loin, hein, au lieu de rigoler, faire une emote pour. Enfin, il a tempo, ok, mais il aurait pu tempo plus loin encore. La piste était assez grande pour. Ok, il est pas passé. Il fait tous les bons tricks et tout, et à la fin, il se fail, hein, dommage. Ouh, la balle qui retourne au milieu. Là, si le gars l'anchor prend la balle, ça peut le faire. C'était pas lui. Oh là 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 là, mais les tirs. Hein. Putain, ils mettent tellement cher. Alors, boum boum, il s'est fait exploser. Ah, le trick, le bon trick là, c'est plutôt bien ça. Oups. Bon, évidemment, quand tu reçois un marteau et des coups de n'importe quoi après, tu meurs. Le reset là, totalement piffé, apparemment, il parle pas Skype là, je crois, je pense. C'est pas normal ça, quand même. T'as pas le droit de faire un reset qui ne marche pas comme ça. Ok, Element qui a pris la balle, qui va-t-il faire maintenant? On sait pas trop. Alors, casse la fenêtre à travers le mur, très bien joué, comme ça c'est plus facile de rentrer. Wall push, wall push, wall push, il y en a déjà un qui était là pour faire le ménage, mais il a pas réussi, ils étaient trop. Alors, le gars qui saute, Anchor, voilà. Le problème de l'Anchor c'est que tu bouges pas, il y avait quelqu'un pour l'attendre. Il aurait peut-être dû courir. Oh, mais les dégâts, enfin, je veux dire. Les trois premières munitions de l'assaut qui sont, c'est vrai, qui sont assez serrées, sont plus ou moins faciles à mettre, mais clairement, ils arrivent vraiment à bien les mettre. T'entends souvent 1, 2, 3, et puis après, tu entends plus rien. Donc, ça prouve qu'ils arrivent à mettre les trois premières munitions, puis après, c'est dur. Hein. Cinq-zéro, mais c'est une raclée qui leur met. C'est une vraie raclée. Il reste 2 minutes. Ça va être méchant. Hop, on n'a plus pour voir la balle. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y en a. Ils sont jamais arrivés en premier, les autres, les rouges, donc. Ils sont jamais arrivés en premier, je vois pas pourquoi. C'est compliqué. Peut-être pour eux, ils ne connaissent pas bien la map. Remarque, je suis un peu comme eux, je connais pas la map. Pas autant qu'il faut la connaître, en tout cas. Musique de barbare qui nous vient de mon plugin DJ. S'il va casser la fenêtre, non, il n'en a pas besoin. On va voir si c'est de wall push ici à l'intérieur, c'est très important. Ok, il l'a esquivé avec un wall push en arrière. Le mec a fail, pouf pouf, de wall push en avant. Ça va trop vite. Vraiment une très bonne vision du jeu. Wow, je suis où là? Je sais pas où était ma caméra, mais elle était dans quelque chose de jaune. Boum! Le mec est devenu un clou.
Ils ont du mal à un trick, ils connaissent, ils savent comment il faut faire plus ou moins, mais ils se sont pas train, du coup. Voilà. En plus, les maps, ils les connaissent depuis. Depuis 2 jours, je pense, donc. Ça va plus train, clairement. Alors, on se casse derrière les bouteilles de bière, tout ça. Ah, une bombe. La sentry, bon, courir avec la sentry, c'est pas ouf, hein. Bon, on a eu un cœur dans la room, mais je pense vraiment que c'était fait. Ok, bien joué au cœur. Il s'est fait bannir. Je ne pense pas que ça va remettre en question le match qui était, me semble-t-il, déjà bien bien plié, quoi. Hop, on l'a eu. Donc le match était, enfin clairement il est plié quoi, donc le hacker qui est rentré pour revenir dire bonjour, on est content qu'il soit venu, ça lui fait de la pub, hein. C'est comme dans les stades de football, il y a des gens qui viennent courir tout nus, c'est pareil, s'il y a des hackers qui viennent faire chier le peuple, voilà, des fans. Oh. Ah, c'est bon, c'est fini. Ok, bien joué à. Au jaune. Watch your back. It's a watch your back. Bien joué à eux, du coup. Voilà. Oups. Je suis un peu.